comme des mines madeleines, puis en descendant, là, il vient d'avoir une grosse avalanche, puis là, je descends en bas à la ville à CEPAC pour lui dire ça. Tout le monde est enterré, il ne connaît pas, donc les secours vont s'en venir. Ok, c'est bon, ça va avec toi. Important juste avant. Vous avez un signal là? Oui, j'ai un signal juste ici. Ok. Une avalanche d'une vingtaine de mètres de largeur sur à peu près 50 mètres de long. C'est à emporte à peu près 40 degrés. Là, on va fermer son DVA le plus vite possible. Deux victimes conscientes qui sont capables de descendre par elles-mêmes jusqu'en bas. Je vais attendre les rapports pour les objectifs. Sortez de là, mettez-vous en émission. Leader me passe un décompte de leur équipe, c'est savoir s'il y a du monde qui a été enseveli par la deuxième avalanche. Ben Claude, négatif, tout le monde est là, tout le monde est là. Alex, tout le monde est là. Fred, fin d'avalanche, tout le monde est là. Bien reçu. Donc on peut recommencer les recherches. Pour l'instant, on arrête de pelleter. Je vais avoir un décompte précis des sauveteurs. Où est-ce qu'on était vu au dernier point, les sauveteurs disparus. Ok, Mathieu, tes trois sauveteurs ont été vus en aval, la zone de dépôt. Blessure au bassin et fracture de la jambe. On va avoir besoin d'une planche dorsale. De l'équipement pour stabiliser la personne. Super, c'est bon, on a les 6 victimes avec des DVA. Une personne qu'on a retrouvée avec un écho, donc là on continue la recherche avec les échos, puis on va commencer une ligne de sondage pour trouver la dernière personne, une fois que ça aura été sondé partout autour des deux. Il reste une victime DVA, donc il faut une équipe avec des DVA, mais ils sont déjà partis. Fait que nous on va sonder. À droite. Assurez-vous de ne pas être collé un sur l'autre. À gauche. Ouais, il faut deux personnes qui remalaient toute la zone avec des VR.